se retrouve de nouveau. Donc en fait, je vous filme deux vidéos à la suite. Je vous retrouve après mon haul de différentes boutiques. Je vous retrouve cette fois-ci pour un haul Nose et Action. Alors, chez Nose, il y a un arrivage de chez Doubadou en ce moment. J'ai eu de la chance. Enfin, j'ai quand même fait trois Nose. Enfin, le premier, il n'y avait pas grand-chose, donc j'ai pas pu prendre pour les copines. Mais j'ai eu de la chance de trouver des choses pour moi. Alors, l'arrivage Doubadou est à 59 centimes. Donc, c'est plutôt intéressant. Et vous pouvez faire des super affaires. Il suffit juste bah, de tomber dessus, en fait. Donc, moi, les deux Nose ici, il y en a un qui avait déjà été dévalisé, donc j'ai quasi rien trouvé. Le deuxième, j'ai pu trouver des choses pour les copines. Et le troisième, j'ai rien trouvé du tout. Donc, où ils avaient pas mis, où ils ont été dévalisés. Mais du coup, je vous fais quand même le haul. Et en même temps, pendant notre balade l'autre jour, en même temps que je suis allée chez Créatitude à Chartres, je me suis aussi arrêtée dans leur action. Et j'ai bien fait puisque j'ai trouvé les nouveaux blocs avec le foil. Donc ça, je suis contente, je suis ravie. Donc, je ne les ai pas tous pris. J'en ai pris que 3. Sur les 4, puisque le 4e me plaisait pas trop. Mais je vais vous montrer tout ça. Du coup, je reste face caméra parce que ça va être plus simple pour vous montrer. Si je vois que ça va pas pour les blocs, je vous mettrai face bureau. Mais pour l'instant, je vais rester comme ça. Alors, chez Nose, j'ai trouvé donc de la marque Doubadou. Alors, je suis désolée, je vais me mettre comme ça parce que j'ai le reflet de la lumière et vous n'allez rien voir. Donc, j'ai trouvé ce tampon. Donc, c'est un tampon mousse. Hein. Enfin, voilà. À 59 centimes pour mes fonds, ça va être top. Il faut que je le laisse sur mon bureau pour y penser. Donc j'ai trouvé celui-là et j'ai trouvé également celui-là avec les chiffres. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un pochoir comme ceci. Alors, toujours à 59 centimes. Donc pour le mix média, il est plutôt pas mal. Je vous le mets dans ce sens-là. C'est du format A4. Donc top. Franchement, pour le prix, top de chez top. Par contre, là, c'est pas un Doubadou, c'est un Pronti Jolada de Ronde, la personne qui l'a créé. Et c'était avec les Dutch Doubadou, donc je ne sais pas. Il s'est trouvé là, donc j'ai pu en avoir plusieurs pour les copines. J'ai trouvé en Dutch Doubadou, j'ai trouvé celui-là aussi. Donc là, c'est du format A5, pareil, 59 centimes. Et puis ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc pour moi, c'est de l'impression Paper Art A5 Art, ils appellent ça. Donc moi, c'est de l'impression laser. Enfin, c'est des feuilles de découpe. Donc toujours à 59 centimes. Donc j'ai trouvé celui-ci avec les cœurs. J'ai trouvé celui-ci sur le thème du voyage avec les avions. Celui-ci avec que des petits papillons. J'en ai déjà quelques-uns de ces petites feuilles comme ça et j'aime beaucoup. Je pense juste pas à les utiliser assez, mais voilà. J'ai trouvé celui-ci sur le thème hiver. Je le trouve plutôt sympa avec les petits bonnets, les petits gants. C'est toujours écrit en anglais, hein, mais les luges aussi, c'est sympa. Les petites luges, il y a les skis ici, les luges. Donc, j'ai plutôt bien kiffé. J'ai trouvé ça. Donc, ça, c'est pour mon planeur. Franchement, le chien, il me faisait trop rire. Donc, voilà, des petits stickers. J'ai payé ça 50 centimes. Et puis, j'ai trouvé deux autres pochoirs. Alors, il n'y avait que ces deux-là. Et ils n'étaient même pas en double. Donc, je suis désolée, les copines. J'ai pas pu vous en prendre. Celui-ci avec les petits points, les petits dots. Et celui-ci, forme nid d'abeille. Et ça, j'ai payé 79 centimes. Ensuite, j'avais vu sur une vidéo d'une personne sur YouTube. Alors, je ne sais plus son nom. Qu'elle m'excuse si elle passe par ici. Qu'ils avaient une usine à bonbons. Alors, moi, je suis comme elle, comme je fais de la résine et des moulages, je voulais absolument trouver l'usine à bonbons sur le thème Halloween. Donc, moi, je vous avoue que je ne l'ai pas acheté pour l'usine à bonbons, mais je l'ai acheté pour les moules. Alors, est-ce que j'ai un petit cutter? Oui. Je vais vous l'ouvrir. Donc, moi, je l'ai pris, c'est surtout pour les moules Halloween, pour pouvoir faire mon plâtre ou ma résine. Alors, je vous avoue, depuis le déménagement, j'ai pas refait de résine, ça c'est sûr. Et je suis en train de réfléchir à où je vais la faire maintenant, puisque étant en appartement maintenant, ma scrap room n'étant plus au sol comme elle était dans la maison où nous habitions, ça va être difficile de faire de la résine ici, puisque je pense qu'il faut que je calfeutre le bas de la porte et tout. Donc à réfléchir, ou alors j'en ferai sur mon balcon.
quand il n'y aura pas trop de soleil et qu'il n'y aura pas trop de vent. Donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Donc l'usine à bonbons, bah voilà, hein, ça se présente comme ceci. C'est un système de présentoir avec les moules. Hop. Donc ça vient se fixer. Si jamais vous la cherchez pour vos loulous. On a le livre de recettes. Donc on a les recettes. Ça, je vais vous dire si c'est en français. Ouais, c'est en français. Donc la recette à l'arôme de fantôme. Recette du chapeau magique, pas basique. Ah, c'est pas très compliqué en fait. C'est beaucoup de... Ou il faut de la gélatine ou il faut de l'agar agar. Donc recette du chat au cola. Recette de la citrouille qui fout la trouille. Donc si certaines sont intéressées par les recettes de bonbons, je vous les donnerai. Je suis désolée, j'ai le soleil qui me fait de l'œil. Mais moi, ce que je voulais, donc ça se présente comme ceci. Donc je pense que ça vient... Ah oui, ça vient se mettre comme... Ça vient se mettre, je ne sais pas comment d'ailleurs. Ah, c'est bizarre. Enfin bref, on a quatre supports. Hop. Donc on a quatre supports comme ceci. Donc il y en a deux orange et deux violets. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout pour ça, les petits moules. Désolée, j'ai fermé un petit peu le store parce que j'avais le soleil face à moi. Désolée, du coup, hein, vous me voyez avec des petits quadrillages, mais c'est pas très grave. Donc voilà, moi, c'était surtout pour les moules. Comme ça, hop. Donc il y en a deux identiques. Donc là, il y a les deux mêmes oranges, donc avec les citrouilles, les chats et les araignées. Et puis les autres, ça doit être les deux identiques. Mais là, du coup, on va avoir des fantômes, un chapeau de sorcière et des chauves-souris. Donc ça, c'est top pour faire les petits modelages pour Halloween. Donc là, je vais essayer avec la pâte qui durcit à l'air. L'avantage, c'est que c'est du silicone. Donc c'est top. Je vais déjà essayer avec la pâte qui durcit à l'air de chez Action. J'essaierai avec du plâtre et puis si je peux, je ferai aussi en résine. Donc voilà, c'était pour ça que je l'avais acheté. Je l'ai payé 3,99€. Donc autant vous dire que moi, ça valait pas le coup de s'en priver pour ce prix-là. Hop, je vais la mettre là. Et puis, bah, chez nous, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc franchement, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Mais bon, c'était déjà mieux que rien. Du coup, on va passer au haul Action. Alors, chez Action, j'ai trouvé des nouveautés, donc ça c'est top, mais je vais déjà commencer par autre chose. Je me suis acheté, donc chez Action, ils font des nouvelles panières avec des couvercles comme ceci. Donc le couvercle se pose simplement, hein, ça ne ferme pas, je tiens à préciser, c'est juste, ouais, c'est juste posé. Mais du coup, bon là vous avez une fente si des fois vous voulez mettre... quelque chose que vous pouvez tirer par là. Mais moi, en fait, je trouve que c'est bien parce que comme ça, on voit ce qu'il y a dedans. Le dessin me fait penser un petit peu au dessin sirène. Est-ce que j'ai le prix? Non, j'ai pas le prix. Bon, bah, j'ai pas le prix. 1,75€, je crois. Et en fait, moi, je l'ai acheté pour mettre mes encres à alcool qui sont rangées, je sais pas si vous voyez là, dans un tiroir ici. Mais j'ai peur que ça se renverse. Donc, je me dis, au moins, elles seront déjà dans la panière au cas où il n'y ait pas d'accident. J'ai acheté des petites barquettes comme ceci parce que j'ai des petites idées. Donc, on va voir comment je les utilise. C'était 79 centimes. Et donc, ça, c'est... je reviens. Ça, c'est au rayon rangement, hein, comme d'habitude. J'ai toujours pas trouvé. Donc, dans nos actions, il n'y a toujours pas les fameuses boîtes de rangement perles. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Et j'ai trouvé des petits bâtonnets. Alors, des petits bâtonnets plats. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, ils sont tout plats. Et ça, c'est au rayon cuisine barbecue, comme les petits ramequins là. Ça, ça vaut 44 centimes. Et en fait, ben, j'ai déjà mon idée. Pour mes cartes, quand on fait des cartes sur le thème été avec les glaces et tout ça, c'est quand même plus joli que d'utiliser des bâtonnets de glace. Et là, ils sont tout plats. Donc, ben, je me suis dit, pourquoi pas du bambou. Il y a 100 pièces à l'intérieur, donc il y a déjà de quoi faire. Moi, j'en ai pris deux. Comme ça, je suis tranquille parce que je pense qu'on n'en trouvera pas tout le temps, tout le temps. Ensuite, le nouveau set d'aquarelle. Donc, comme ça. Donc, du coup, eh ben, je ne l'ai pas ouvert. Donc, je vais enlever la protection. Je ne sais pas ce qu'elles valent. Je les testerai. Bon, sûr, ça ne vaut pas... c'est pas la qualité des aquarelles chez Nouveau ou Prima ou Craftelier, ce que vous voulez. Mais pour faire les fonds, franchement, ça peut suffire. Il n'y a pas besoin que vous investissiez
dans des aquarelles qui coûtent une blinde, hein, je suis franche avec vous. Alors, dedans, ça a surtout enlevé avant que ça se perce et qu'il y en ait partout. Donc, ça se présente. Donc là, comme ceci, c'est une boîte en fer. Quand on ouvre, ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, vous allez retrouver un crayon à papier HB. Un pinceau à réservoir d'eau. Donc ça, on en a toujours besoin. En plus, les leurs, ils sont plutôt pas mal. Ils marchent, ils fonctionnent plutôt bien. Assez fin d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien la pointe. Et puis, un pinceau à aquareller. Alors, il faut que j'arrive à le sortir. Alors, un pinceau pour aquareller. Donc, moi, je dirais que c'est un numéro 2, je pense. Et ensuite, on va trouver donc les aquarelles. Alors, c'est pas les mêmes couleurs. Je regarde avant de vous dire des bêtises. Bon, moi j'ai celle-ci qui est un petit peu cassée au coin. Mais en fait, on trouve un panel de godets d'aquarelles plutôt pas mal parce qu'on a quatre couleurs de jaune. On se retrouve avec quatre couleurs d'orange, trois couleurs de rouge, deux couleurs de rose, trois couleurs de quatre couleurs de violet. Pas mal de bleu, du vert, du marron, du gris, du noir. Donc, bah écoutez, pour le prix. Alors, le prix de ça, c'est 2,99 €. Donc, franchement, pour 2,99 €, j'ai envie de dire, vous risquez pas grand-chose. Au niveau des godets, je pense qu'on n'en a pas beaucoup. Ça doit être comme d'habitude, si j'arrive à en enlever un. Ouais, non, il n'y en a pas beaucoup dedans, mais bon. Ils nous en ont déjà sorti. Donc, à voir ce qu'elles valent. Je vous ferai un test dessus. On verra. Enfin, je ferai un petit test là-dessus et on verra bien ce qu'elles valent. Donc, voilà pour ça. Et puis, ensuite, donc là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer face bureau pour vous montrer à l'intérieur. Ça sera beaucoup plus simple. Mais j'ai trouvé les nouveaux blocs avec foil. Donc, il y a celui-là qui s'appelle Black and White. Donc, je vais vous tourner sur le bureau hein, pour que ça soit plus facile pour vous les montrer. On a le Colorful Marble. Il est super joli celui-là. Et on a celui-ci, le Colorful Basic. Donc ce que je fais, c'est que je vous passe. Je débarrasse un petit peu et je vous reprends tout de suite sur le bureau pour vous montrer. Alors voilà, je vous ai repassé sur le bureau. Donc, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu de cirque sur mon bureau, mais j'étais en train de scraper. Donc, on va commencer par le Colorful Basic. Donc là, ils sont à 2,69 €. Chaque fois qu'il y a du foil dessus, hein, vous le savez. Donc là, on trouve du vert à petits pois blancs. Là, il n'y a pas de foil sur la première. Sur la deuxième, c'est la même avec du foil argenté. Après, des petits cœurs. Donc, pareil, pas de foil. Là non plus. Donc, deux fois la même. Du ligné vert et argenté. Donc, sans foil pour la première. Avec foil pour la deuxième. Du graphique. Donc, là, on en a deux. Il n'y a pas de foil. Donc, je passe. Toujours du graphique. Donc, jaune. Hop, sans foil avec foil. Comme ça, vous voyez mieux, je trouve que c'est mieux. Encore du graphique, donc des ronds graphiques sans foil. Des petites étoiles. Donc orange, un beau orange en plus. Moi qui suis jaune orangé, il est joli. Moi qui sais que c'est pas trop mes couleurs, ben là j'aime beaucoup. Donc avec foil et sans foil. Effet sirène. Donc orange, sans foil. Avec feuilles, des gros pois grisés, on va dire, parce qu'on dirait que ça fait un petit peu un dégradé. Là, ça fait gris très très clair, et là, on passe sur du gris un petit peu plus foncé. Le même avec feuilles, des espèces de petits confettis serpentins, je sais pas comment on peut appeler ça, sans feuilles. Avec feuilles, c'est peut-être celui que je préfère le moins. Du rose arlequin, on va appeler ça arlequin avec des petits losanges. Donc avec foil. Des petites bulles, des bubules, on dirait du bubble gum. Donc sans foil. Ah, celui-là, il est sans foil. Donc je vous le passe. Il y en a deux. Du violet à petit cœur gris blanc, sans foil.
et avec foil. Les étoiles bleues de tout à l'heure sans foil. On en a deux. Alors, je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est des erreurs, mais c'est souvent qu'on n'a pas de foil, je ne sais pas pourquoi. Et enfin, celui-là, bleu à petits pois blancs, donc sans foil. Et là, avec foil. Donc, voilà pour celui-là. Donc, le prix 2,69€, ça, ça ne change pas. Ensuite, on va passer au Colorful Marble. Donc, ils nous disent qu'il y a 30 pages, 15 pages avec 2 x 15 designs, 230 grammes, comme d'habitude. Maintenant, ils mettent ici. Avant, ils ne nous marquaient pas. Maintenant, je suis en train de voir qu'ils nous marquent que c'est du 230 grammes et tout. Celui-là, j'aime beaucoup. Alors là, c'est du doré au niveau du foil. Mais j'aime beaucoup l'effet. Ça fait, c'est ce que nous, on peut faire quand on fait nos fonds de page. Je trouve plutôt sympa. Donc, le premier, pas de feuille. Le deuxième, le même, avec des petits points dorés. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. J'espère que oui. Là, effet marbré. Donc là, ça fait vraiment effet fond de page qu'on peut réaliser avec les encres à alcool. Hein. Donc là, il n'y a pas de feuille sur le doré. Mais là, on voit bien qu'il y en a. On voit la différence. Effet sirène à nouveau. Plutôt sympa, celui-là. Alors, pour l'été, il est plutôt pas mal à mixer avec d'autres blocs, il est plutôt joli. Donc on voit les petits points, je trouve que c'est dommage de les avoir mis là d'ailleurs parce qu'ils ne sortent pas. Et là on voit les petits points avec feuille. Du marbré gris, à effet marbre vraiment, donc deux fois les mêmes sans feuille. Celle-ci, je ne sais pas comment on peut l'appeler, effet marbré sans feuille et avec feuille. Là, pareil. Ouais, alors le dessin, ça fait un peu bizarre, je trouve. Mais ouais, ça fait bizarre le dessin. Ça me fait penser à un truc bizarre. Pas de foil pour celui-là, on va passer. Du bleu, on dirait des nuages sans foil, avec des petits points dorés. Et là, avec les petits points, avec le foil. Oh, l'effet galaxie, juste magnifique. Forcément, à compléter avec le bloc galaxie, si vous en avez encore qu'on avait eu. Galaxy, il est juste trop beau. Par contre, il n'y a pas de feuille. C'est les deux mêmes sans feuille. Celui-là, j'ai plus de mal. Hein. Ça fait effet dalle de piscine un peu. Donc, sans feuille. Et avec feuille. Là, ouais, on voit. Du marbré avec des petits pois. Donc, je trouve que c'est dommage, pareil, de les avoir mis. Sans feuille, et là, avec feuille. Ça fait plus doré, limite rose gold, celui-là. Là, celui-là est joli. Alors, est-ce qu'on a du foil sur celui-là? Ça va être la surprise. Je pense pas. Non, celui... Ah, si. Alors, la normale. Et là, avec les petits pois du haut. Là, ici, on a les petits pois avec foil. Effet marbre. Donc, sans foil. Effet marbre rose. Donc celui-là, sans foil, et celui-là, je ne sais pas si vous allez voir. C'est très discret, hein, avec foil, mais c'est très très discret. Je ne sais pas si on va le voir. Il y en a un petit peu ici, un petit peu ici. Il n'y en a pas beaucoup, mais moi je trouve que ça suffit. Du bleu, donc là il n'y a pas de foil, on en a deux sans foil. Voilà, là, ils ont des dessins, ça me fait... Celui-là, une sans foil, et le dernier avec foil. Donc là on voit plus, vous voyez, le reflet. Donc ça, c'était le deuxième. Et le troisième que j'ai pris, donc c'est le black and white. Alors, pourtant, je vous avoue que le black and white, moi, le noir et blanc, en temps normal, j'ai beaucoup de mal. Vous allez dire, mais comment ça se fait, Sandrine, que tu as pris ça? Bon, en fait, je vous explique. Là où on habite maintenant, tous les murs sont blancs. Et beaucoup de nos meubles, nous, étaient gris à la précédente maison où on habitait. Et du coup, par-ci, par-là, je commence... Alors, le rose est une de mes couleurs préférées avec le gris. Donc, je me suis dit, du coup, en arrivant ici, vu qu'on a quelques meubles style industriel, ça se marie le noir super bien. Donc, j'ai craqué, en fait, parce qu'en plus, c'est du foil rose gold, forcément. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, du noir rayé, là, il n'y a pas de foil. On en a deux. Des petits points, donc celle-ci sans foil, celle-ci, vous devez voir, on a du rose gold partout. Non, celui-là, il est franchement, il est joli. Donc là, celle-ci sans foil, celle-ci
On voit bien avec. Très graphique. Là, j'ai pas de foil. Donc, il y en a deux. Il n'y a pas de foil. Celle-ci, pareil, rose normale. Là, rose gold, donc foil. Là, ces deux-là, il n'y a pas de foil. Donc, c'est des impressions. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait des petits traits. Tout fin, tout fin. Celle-ci, normale. Celle-ci, avec foil. Celle-ci, normale. Celle-ci, pareil, avec foil. En plus, ce bloc-là peut se marier avec le bloc noir et blanc, avec les petites bonnes femmes, si vous l'avez trouvé, pour certains papiers, je trouve. Style celui-là, ça peut se marier super bien. Donc là, sans foil. Là, les petites fleurs sont foilées en rose gold. Là, le feuillage, normal, sans rien. Là, les feuilles roses sont en feuil. Donc celui-là, on l'avait tout à l'heure. Donc lui, il n'a rien. Par contre, celui-là, vous voyez à la caméra, il est super joli. Celui-là, c'est deux pêches comme ça, il n'y a rien. Et là, des étiquettes. Donc moi, forcément, hein, les étiquettes, je suis fan. Celles-ci, elles sont normales. Celle-ci, on a le rose gold. Là, les lignes normales. Là, avec du rose gold. Et la dernière, des petits pois noirs et blancs. Donc, vous pouvez les utiliser n'importe où. Normaux, il n'y a rien du tout. Voili, voilou. Je vous reprends face caméra. Donc, voilà pour les dernières trouvailles. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Les prochaines vidéos, ça sera chose promis, chose due. Ce sera les tests produits, actions, les dernières nouveautés. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!